Mais chérie, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Non, c'est pas toi. Bah, allez, dis-moi, c'est toi ou pas? C'est moi qui les ai coupés tout à l'heure. Non, c'est impossible, c'est trop beau. Bah oui. Mais c'est une blague, genre c'est, ils sont tous symétriques et tout. Comment t'as fait? C'est tous nos fruits qu'on kiffe le plus. Non, allez, dis-moi la vérité. Je suis sûre que c'est pas à toi. C'est rien hein, de couper des cubes. Non, mais genre, je me réveille ce matin. Je me réveille ce matin et qu'est-ce que je vois? Genre ça, deux trucs comme ça dans le frigo. Et il me dit que c'est lui qui les a fait. Ouais. Mais je suis sûre que c'est pas possible. Mais t'es con, tu veux que je te le refasse devant toi? Mais non, mais parce que comment ça peut être aussi symétrique et tout? Mais j'ai coupé. Viens, qui à toi? Alors lui, et on lui donne pas d'attention pendant une demi-seconde. Ouais. Et ça râle. Oh là 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 là. Je vais en profiter pour me faire un smoothie. Donc je vais casser un petit peu le gâteau de fruits. Alors ça, pour l'été, genre c'est trop bien. Vous pouvez faire des smoothies, des jus détox, etc. C'est juste génial. Et ça évite genre de prendre les jus de fruits industriels qui sont bourrés de sucre, où il n'y a pratiquement pas de vitamines à l'intérieur. Là, vous faites vos propres jus, en fait. Donc, vous avez juste à découper des fruits. Et vous faites vraiment les saveurs que vous voulez. Il y a un e-book aussi avec des recettes détox et tout, je vous montrerai. Et du coup, voilà, moi, je l'ai pris en rose. Il y a plusieurs couleurs qui existent. Voilà, regardez. C'est vraiment parfait. Genre, la texture, elle est parfaite. Pourtant, j'ai mis des gros morceaux de fruits. Et ça a tout broyé. Il est génial, celui-ci. Après, vous mettez des petits glaçons. Et là, je vous dis même pas, genre, le cocktail de vitamines de bon matin. C'est tellement bon. Ça n'a rien à voir, genre, un jus de fruits qui va être frais. Un jus de fruits industriel, genre là il y a toutes les vitamines qui sont conservées, ça prend 2 secondes à faire et c'est tellement, mais genre tellement bon. Au moins là pour vos 6 fruits et légumes par jour vous y arrivez, mais genre easy. Du coup ça y est, toutes les œuvres sont emballées, les sacs aussi, donc ça c'est un pré-emballage, ensuite il y aura un deuxième emballage. Et ensuite, il y aura l'expédition, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines maximum, comme c'est compliqué en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ça avance. Tous les gagnants, vous allez recevoir vos paquets. Je vous montre, vous avez plusieurs couleurs. Et juste ici, vous avez le e-book. Il y a plein de recettes, minceur, détox, smoothie, etc. Donc normalement, il est payant, mais avec mon code promo, vous l'avez gratuitement. Et en plus de ça, je vous donne un moins 30%. Bon, du coup là je suis dans le taxi, je vais faire une prise de sang justement pour voir si tout est ok, etc. Pour les États-Unis, donc pour mon opération dont je vous ai parlé. Et oui, j'ai reçu plein de messages, je sais pas si vous avez tous vu, donc la couverture elle est sortie aujourd'hui avec mon fils et ma petite famille. Je suis tellement contente, je vous laisse vraiment la découvrir et tout ça. Mais à l'intérieur, il y a un interview que j'ai fait et voilà, j'ai vraiment répondu sans filtre à plein de questions qu'on me posait et tout sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en France, à vous le procurer. Et du coup, voilà, il y a l'interview à l'intérieur. Je pense que je réponds à pas mal d'entre vous. Et surtout, il y a un shooting photo qui est juste magnifique avec ma famille. Notre premier shooting ensemble, tous les trois, c'était trop bien. Donc voilà, faites-moi vos petits retours. Du coup, je suis très très fière de vous annoncer la nouvelle collaboration Nabila Beauty avec la marque Garnier. Donc c'est juste génial. C'est vraiment un projet sur lequel on a bossé depuis un petit moment. Et du coup, vous allez avoir plein de cadeaux de la marque Garnier. Donc c'est génial. Max de trucs, donc vraiment participer. Et après, je vous présenterai les offres. Je ne sais pas si elles sont déjà sur le site ou pas. Mais en tout cas, voilà, la collab est annoncée. Ça y est, c'est parti. À vous les cadeaux. Bon, ça y est. Du coup, je rentre à la maison. J'ai fait le test du virus. Donc, je vais l'avoir, je pense, dans la journée. Et voilà. Doucement. Non. Celui-là, tu ne le manges pas. Dis donc les petites bêtises, là. Attends, maman, elle va te parfumer. Elle va mettre sur les habits.
Je te mets sur les habits. Allez. C'est un des parfums que j'utilise pour mon fils. Il sent vraiment très bon. Il est doux, apaisant. Il a des notes un petit peu fruitées. C'est une eau toilette qui est mixte donc pour les filles et les garçons à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui mets directement sur les vêtements. Bien entendu, il n'y a pas d'alcool. Enfin, c'est vraiment c'est une formule qui est naturelle, qui a été développée spécialement pour les bébés. Entendu, c'est sans alcool, il n'y a pas d'allergène. Tout a été étudié pour respecter l'enfant. Et en plus de ça, ce n'est pas testé sur les animaux. C'est Made in France. Et donc là, ça a été fait à Grasse. En fait, c'est la capitale mondiale du parfum. Donc c'est vraiment un parfum de qualité. Là, vous avez le petit packaging qui est hyper joli. Le petit bouchon aussi, que mon fils a failli manger. Donc hop, il est comme ceci. Allez voir au début, il est floral. Regardez comme il crie parce qu'on lui change la couche. Il est vraiment pas content. Ça va? Ouais, je savais que tu changeais la couche. C'était sûr. Quand on lui change les habits, il pète un plomb. Quand on sort du bain, on l'habille, il est trop vénère. Et quand on lui change la couche... Donc, au début, quand il était tout petit, c'était hyper simple. Donc on lui changeait sa couche tranquille. Il bougeait pas, en fait. Il restait allongé sur le dos. Et là, à peine on le pose sur la table allongée, il se met sur le ventre, il commence à tout toucher, les petits produits qu'il y a autour. Et du coup, mettre une couche à l'envers, c'est hyper galère. Du coup, on est obligé de le tenir. Et comme il résiste, et ben, il crie. Puis il n'est pas content. Voilà. Je vous disais donc pour le parfum, vous allez voir au début, c'est des notes un peu florales, un peu fruitées. Et après, il y a une note un peu boisée, hyper chaleureuse. Enfin, j'adore. Donc je vous le recommande, je connais bien la marque, donc si jamais je peux vous donner un code promo si ça vous intéresse. Comme je vous dis, c'est pour les petites filles et les petits garçons. Celui-ci, le Aura, vous avez 100 ml, donc c'est quand même pas mal. Vous avez mandarine, orange, vous avez du jasmin, du monoï, du muguet, noix de coco, du musc blanc, des tonalités un peu boisées. Et sachez qu'il y a 5% qui est reversé à l'association Sourire d'enfant. Donc je trouve ça très classe de leur part. Voilà, donc je vous ai mis le site. Vous avez toutes les petites explications qui sont juste ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et je vous donne la réduction. Votre fils ne veut pas mettre de chapeau, regardez. Voilà, je veux pas. Voilà, et hop, par terre. Voilà, donc son gentil papa, ça fait 20 fois qu'il lui met le diment, il l'a bien habillé. Non, il est gentil papa, t'es pas gentil avec ton papa. C'est ça que tu dis de moi, Mila? Tu dis pas que c'est un bouille. Tu dis pas que c'est un bouille, papa, c'est pas un bruit. Ouais, c'est ça. Donc tu vas mettre ton chapeau, mon chéri, parce qu'il fait très chaud. Tu vas te prendre le soleil sur la tête et ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire, ok? Ok, Mimi? Oh. Allez, on met le chapeau. Oh. Regarde, maman, elle met le chapeau. Il n'y a pas de problème, regarde. Oh, je mets le chapeau. J'embête personne. Regarde, je me promène. Je mets le chapeau. Milan. Tout le monde m'adore. Tu mets pas ton chapeau? Regarde. Waouh! Waouh! Tu mets pas de chapeau. Et sachez que cette tenue, genre, normalement, c'est du quoi? Du 1 an? Du 18 mois. Ouais, il est trop grand, Milan. C'est du 18 mois et ça lui va. Je pensais même pas que t'allais oser la mettre. Qu'est-ce que t'as? Là, il va nous faire la journée caprice. En plus, on a prévu d'aller à la... On peut le constater, donc son papa a préparé un sac, voilà, et il a mis tous les essentiels à l'intérieur, c'est-à-dire son passeport, et voilà. Comme mon mari a bien préparé le sac, regardez, regardez ce qu'il y a dedans. Alors, il a mis son portable, ses lunettes et son porte-passeport, voilà, et il est prêt pour aller à la piscine. Oh putain, je suis au bout, les gars. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, le sac, il est prêt. Je lui ai dit, c'est bon, tout est prêt. Il m'a dit, ouais, c'est prêt. Donc là, je vais vite aller préparer le sac, comment dire? Voilà, mon fils, il veut pas mettre de chapeau. Milan, qu'est-ce qu'il y a avec les chapeaux? Comment ça se fait que tu veux pas? Il déteste les chapeaux. Mais le soleil, il va te brûler. Le soleil, il va te faire bobo à la tête. Tu es obligé de le mettre, mon cœur. Oh là là, je crois qu'on est... On est bien arrivé à la piscine. Bon, il est en train de regarder une petite fille. Regardez comme il la regarde, s'il vous plaît. Et genre, il est timide. Il y a une petite fille qui est trop belle. Tu serais pas amoureux, toi? Dis donc. Il la regarde et il la regarde. Donc là, on va mettre le maillot de bain, on va mettre le SPF, la protection. Et toujours pas de chapeau.
Et son père, il est déjà dans l'eau, ça y est. Ça y est, ça y est. On l'a perdu, papa. Mon bébé. Il est trop chaud, mon mari. Je vous jure, il est tellement adorable. Bravo! Bravo! Bravo, Mévi! Allez, on avance. Waouh! Waouh! Bravo! C'est bien! T'es trop fort, toi! Ouais, t'es fort, t'es fort, t'es gentil, t'es fort, t'es beau. T'es tout! Elle a mis son petit chapeau. Mon chapeau de... On dirait que je vais à un safari. Je te jure. Ouais, ma femme, elle supporte pas le soleil. C'est incroyable. Ça me brûle. Et le soleil d'ici, il brûle, les gars. Ah ouais, non, ça blague pas ici. C'est un truc de fou. Mouah, mouah, l'amour de moi. Ne me laisse pas te quitter. Si je suis sûre de moi. Je suis ta chanteuse que t'aimes. Non, tu m'aimes plus. Je sais pas chanter, je sais. Si, je chante très bien. Je suis nulle en chanson. Là, j'ai appliqué mon masque. Il faut bien le plaquer ici. En dessous, là. Top. Je vais laisser poser une trentaine de minutes. Après, il faut que j'aille me laver parce que j'étais à la piscine. Donc ça, les filles... C'est un masque qui va redessiner, redéfinir le contour, donc l'ovale du visage. Vous le laissez poser entre 15 et 30 minutes par jour. Donc... Voilà, du coup, ça c'est fait, donc je l'ai enlevé. Après, à l'intérieur, vous avez vraiment que des ingrédients d'origine naturelle, donc il n'y a aucun souci. Même moi qui ai une peau sensible, c'est top. Vous allez voir, ça hydrate et ça raffermit la peau aussi, le masque. Du coup, ça va. C'est un masque amincissant à la base pour le visage, donc ça va vraiment genre affiner en fait votre visage. Vous pouvez faire un traitement de 1 mois, genre vous le faites tous les jours. Tous les jours, vous avez 15 utilisations par sachet. Dans une boîte, il y a 2 sachets comme ça. Et à chaque fois que vous avez fait une utilisation, vous le remettez dans le... Donc je disais, entre chaque utilisation, vous remettez bien le masque à l'intérieur du sachet et vous le mettez au frigo. Le masque, c'est celui-ci. Donc là, vous avez plein de personnes qui l'ont déjà utilisé avec des avis clients. Et je voulais vous montrer, donc il y a une petite vidéo aussi concernant l'application. Vous mettez juste la bouche, ensuite vous l'accrochez au niveau des oreilles. C'est vraiment pas dérangeant du tout. Après, vous pouvez continuer vos activités. Et il est aussi hydratant. Donc même pour les peaux sensibles et tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de colorant, enfin c'est que du naturel. Et donc là, ça améliore l'élasticité, ça affine la forme du visage et ça réduit le double menton. Ça bouge ou pas? Ça bouge un peu, hein. Le matin, ça bouge bien. Mais toi, tu le sens pas toute la journée, hein. Non, mais elle aimerait que je sois enceinte à sa place, c'est une dinguerie.